Non, c'est beaucoup trop risqué. Peut-être, mais s'il lui arrive quelque chose, je m'en voudrai jusqu'à la fin de mes jours. Laura, Arthur s'est jeté dans la gueule du loup. Tu comprends? C'est terminé. Madame, c'est votre fils. Alors sans vous manquer de respect, j'en ai rien à foutre de votre avis. Je veux le rejoindre. Ok, d'accord, on y va. Alors, 1, 2, 3. Vous savez où sont Laura et Arthur ? Non, mais je pense que tout le monde s'en fout. Perry, je remarque quelque chose de différent par rapport à nous, chez toi. Je ne sais pas trop. Oh, mais bien sûr ! Le respect, tu n'as aucun respect, Perry. Et je pense très fortement que ce que tu viens de dire à voix haute ici, c'est un nouveau manque de respect. Alors permets-moi de t'annoncer, tu es exclu de mon cours. Au revoir et à bientôt. J'ai une question, Perry. Que caches-tu chez toi ? Vous êtes allé chez moi ? Non, c'était une simple question. Maintenant, si tu veux bien sortir de mon cours... Qu'avez-vous vu chez moi ? Vous savez où il se trouve, Arthur ? Oui, il n'y a qu'un seul lieu sur Terre où le portail se crée. Arthur a dû trouver cet endroit et il n'est pas très loin. Je l'ai amené dans une pièce isolée. D'accord. Au téléphone, vous m'avez dit autre chose, non ? Oui. Quand j'ai vu ses yeux, je me suis dit qu'il avait sûrement pris de la drogue. Alors pour le taquiner, j'ai demandé ce qu'il cache à la maison et... Et quoi ? Il s'est énervé et m'a demandé ce que j'avais vu chez lui. Comme si... Comme s'il cachait quelque chose ? Oui, exactement. Très bien. Je vous remercie de m'avoir informé. Je vous tiens au courant. Très bien. Au revoir. Pourquoi il ne nous a rien dit ? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi il se met en danger ? Pour te protéger. Et peut-être pour moi. Mais plus pour toi. Thank you.
Attendez, vous voulez dire que le portail se trouve dans la forêt ? Non, pas exactement. Vous voulez dire que le portail se trouve dans le lac ? Exactement, et il est déjà ouvert, ce qui veut dire que Arthur est très probablement déjà rentré dans le portail. Évidemment. Ce cambriolage est si facile. Bon, que caches-tu, mon gars ? Mec, t'as foutu quoi ? J'ai attendu pendant 3 heures. T'étais où ? Chez Laura et toi ? Attends, tu es allé sans moi ? Écoute-moi bien, tu veux ? J'en ai rien à foutre de tes caprices, c'est bien clair ? Mais mec, il se passe quoi dans ta tête, sérieux ? Alex, la top de ce qui te regarde. Laisse-nous tranquille, tant qu'il en est encore temps. Du lac ? Oui. Le portail se trouve en dessous. Il faut nager jusqu'au fond. Tu sais nager ? Oui. Alors on peut y aller. Tu es prête ? Oui. Alors on saute. Merde, c'est quoi ce bordel ? Tu m'excuseras Alex, je dois régler un problème urgent. Mec, tu vas où ? Mec ! Ah oui, je ne suis qu'un enfant. Si je suis né Alpha, je mourrai Alpha. Alors je peux vous promettre une chose, ici, c'est chez moi, et chez moi les dangers sont éliminés, et vous êtes un danger, alors croyez-le ou non, je suis l'Alpha. Peut-être, mais je peux être voir, et je vais me battre avec, et je vais vous battre avec, parce qu'ici c'est chez moi, et vous n'êtes pas chez vous. Bien, comme vous le savez, il y a un an, avait eu lieu un terrible drame. Malheureusement, il y a encore des zones d'ombre. Mais il est important qu'ensemble on puisse se soutenir, parce que, oui, la vie est parfois cruelle, mais c'est elle qui nous donne la chance de vivre. C'est la vie qui fait qu'on est tous ensemble aujourd'hui, et c'est aussi la vie qui crée les malheurs, certes. Ne vous en faites pas pour moi, j'ai plus de pouvoir et de force à chaque fois que je les déploie. Arthur, prépare-toi.
Alors c'est ce qu'on verra. Vous êtes passé ici quand vous êtes arrivé? Non, le portail pour rentrer n'est pas le même que pour sortir sur Terre. Et je dois avouer que je ne suis jamais venu ici. Portail de téléportation. Une fois passé le portail, on entre et dans le monde étranger. Et on aide comme on peut, Arthur. Ça va aller. Arthur et l'Alpha, d'accord? L'Alpha, tu vas apprendre à le connaître davantage, je te le promets, d'accord? Mais... Arthur, il est... Non, non. Elle est en dessous. Tu ne l'as pas tuée dans la lave? Non, je l'ai trouvée mieux. Elle a lâché son cœur pour me tuer. Ce qui veut dire que si je fais exploser son cœur, elle mourra. Définitivement. Alors, finissons-en. Laura, désolé de vous avoir rien dit, mais il le fallait. C'est bon, tu es pardonné, Arthur. Quoi? Comme ça? Oui, parce que je suis tellement contente de te voir vivant devant moi, et aussi parce que je t'aime, Arthur. Moi aussi. Je t'aimais énormément, plus que tout au monde. Plus qu'à ta mère? Peut-être bien. Qu'est-ce qui va se passer après? Après, je ne sais pas. Mais maintenant, j'ai une idée. Tu m'as beaucoup manqué, Hector. Je suis désolée. Je n'ai pas su tenir ma promesse. Mais regarde, il s'en sort bien. Je t'aime, Hector.
Bon allez les enfants, on va aller ouvrir les cadeaux. Bonne idée. Ouais. Alors là, ça va prendre plus de temps que de pour ton anniversaire. Il y a au moins 40 cadeaux là-dedans. Plus. 57. Laura ? Quoi ? Thank you.